On revient peut-être sur un autre grande affaire. Certains appellent ça le scandale Lactalis, je ne sais pas, mais en tous les cas ce matin, donc le président assez énigmatique de ce groupe Lactalis, Emmanuel Beignet, est sorti de son silence, a donné cette interview, évidemment, j'imagine que vous avez lu, au Journal du Dimanche, où il assume ses responsabilités. Il se défend de tout manquement de la part de son groupe. Et puis il rappelle qu'évidemment, il n'y a pas de nouvelle contamination depuis le 8 décembre et qu'il va indemniser les victimes. Est-ce que vous demandez toujours aujourd'hui des sanctions contre le groupe Lactalis après cette interview qui est quand même une longue explication, y compris assez technique? Indemniser, c'est bien, mais l'argent n'achète pas tout. Ouais. Et quand on a du lait qui a été mis en circulation et qui a manifestement provoqué des situations sanitaires compliquées pour des enfants, c'est que quelque part, il y a eu un manquement. Ouais. Ou alors, j'en perds mon latin.